Salut à tous mes abonnés, salut à tous ceux qui ne se sont pas abonnés à ma chaîne. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une astuce pour avoir un retour d'affection. Retour d'affection, c'est pour dire si tu voudrais que ton partenaire te revienne, si tu voudrais que l'amour s'installe dans ta vie et que tu connais quelqu'un, pour que tu es amoureux ou amoureuse. Oui, tu peux faire cette astuce. Si tu as été toujours déçu en amour et que tu as mis ton cœur sur quelqu'un qui t'a déçu, tu peux faire cette astuce pour ramener ta personne, pour ramener ta partenaire ou ton partenaire. Oui, tu fais cette astuce. Tu me suis? Pour cette astuce, vous n'avez pas besoin de tellement d'ingrédients. Les ingrédients que je vais vous citer, ce n'est que des ingrédients que nous utilisons tous les jours au quotidien. Vous comprenez? Vous aurez besoin de quoi comme ingrédients? Vous aurez besoin des feuilles de laurier que vous connaissez déjà, que ce soit les feuilles de laurier secs ou frais. Ça ne dérange pas. Mais il faudra que ces feuilles ne soient pas percées comme vous voyez là. C'est juste que les miens ont été un peu touchés. Donc, vos feuilles ne doivent pas être percées quand vous deviez faire cette astuce. Vous avez besoin du piment de Guinée que vous tous vous connaissez. Piment de Guinée qui est encore appelé ndon ou soc. Vous comprenez? Le piment de Guinée. On appelle ça piment de Guinée parce que c'est reconnu un peu de partout comme cette appellation. Comme cette appellation, comme j'ai dit tantôt, on appelle ça piment de Guinée. Et chez d'autres, selon le don, le soc. Vous avez besoin d'un stylo bleu. Je ne vous ai pas demandé d'avoir à tout prix ce genre de stylo. Hein. Si vous avez déjà un stylo bleu, au Big Bleu, parce que les gens vont me demander qu'est-ce qu'on appelle stylo. Au Big Bleu, que ce soit bleu, que ce soit de n'importe quelle forme de pic ou quoi que ce soit, l'essentiel est que ce soit bleu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose que moi. Vous avez besoin de ces ingrédients. Après avoir eu tous ces ingrédients, vous allez chercher une feuille de laurier qui n'est pas fissurée. Pardon, qui n'est pas fissurée comme vous voyez, la mienne est fissurée là. Une feuille de laurier qui n'est pas percée en fait, qui n'a pas de trous sous ça. Vous allez écrire le nom de votre partenaire de ce côté. Peu importe, vous choisissez un côté, vous écrivez le nom de votre partenaire et derrière, vous écrivez votre nom. Pour le piment de Guinée, vous allez utiliser le Big Bleu, en fait, pour écrire ce nom-là. Vous comprenez? Vous écrivez votre nom. Si vous avez commencé à écrire votre nom ici, nom et prénom, vous écrivez le nom de votre partenaire derrière, nom et prénom. Oui, et vous allumez le feu parce que vous allez brûler ça. Vous allumez le feu. Le feu du charbon, si vous voulez, vous prenez 3 grains de piment de Guinée, qui est appelé en condom ou soc. Vous prenez 3 grains. Vous mettez ces 3 grains-là à l'intérieur de la feuille. Vous déposez dans votre main gauche. Vous faites vos vœux. Vous dites que vous voulez que telle personne revienne dans votre vie et que vous soyez heureux. Donc, ça dépend de vous. Ça, c'est un vœu que je donne par exemple. Ça dépend de vous, de ce que vous allez dire. Ça dépend de quel vœu vous allez dire. Vous comprenez? Après avoir fait ça, ayant déjà allumé votre charbon, vous balancez dans le charbon. Vous comprenez? Ayant fait vos vœux, vous balancez dans le charbon. Ça brûle. Et vous allez faire ça pendant 7 jours. Donc chaque jour, vous allez changer des feuilles, vous aurez des nouvelles grains de piment de Guinée. Donc 3 grains de piment de Guinée par jour, une feuille de laurier et vous écrivez. Vous faites ça pendant 7 jours.
Vous faites à l'heure que vous voulez. Vous comprenez? À l'heure que vous voulez, vous faites ça. Pendant 7 jours. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos.